Mesdames et messieurs, bonjour, c'est le bulletin d'information de Radio M. Le journaliste algérien et correspondant de la chaîne d'information en continu France 24, Mansouf Aït Traci, vient d'être libéré. Le journaliste a été placé sous mandat de dépôt hier, 28 juillet, par le juge d'instruction près le tribunal de Belmorad Araïs en compagnie du technicien Ramdan Rahmouni. Manque de liquidité dans les bureaux de poste, trois mesures sont adoptées par le gouvernement algérien. Il s'agit en premier lieu de prolonger les horaires d'ouverture des bureaux de poste. La deuxième mesure consiste en la généralisation de l'accès aux distributeurs automatiques des banques aux titulaires des cartes de paiement d'Algérie Poste. Aussi, l'association des Walis dans la gestion de la distribution de l'argent aux banques et aux bureaux d'Algérie Poste. D'ailleurs, le directeur général d'Algérie Poste a expliqué le manque de liquidité par la baisse de l'alimentation des bureaux de poste au premier semestre 2020. Une baisse de 15% a été enregistrée. Coronavirus, les camps des réfugiés sahraouis sont touchés. Les camps des réfugiés ont enregistré leurs 4 premiers cas de contamination. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la coopération sahraoui, Fatma El-Mehdi. C'était les informations du bulletin d'information d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.